Et bonjour à tous, nous voici sur une vidéo Among Us. Nous allons faire donc la deuxième map Mira en mode imposteur. Voilà, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à dire. Par contre, j'avais juste une question. Est-ce que vous préférez cette cam ou alors mon smartphone? Vous en pensez quoi, hein? Allez, n'hésitez pas à marquer ça en commentaire et je vous dis à de suite. Allez, on est parti sur un petit tuto sur les Mira HQ en mode imposteur. Allez, on active tout. Et c'est parti. Donc, on va commencer par l'event balcony, l'event tout en bas, en dessous du buzz. Elle peut monter donc au couloir du Y. À droite, puis à gauche sur Medbay. Alors par contre, faut faire attention parce que la veine sur Medbay, si on se pose là, voilà, par ici au niveau du mur, ben, on peut voir l'activation de la veine ou pas. Donc ça peut se faire griller assez facilement. Voilà, on remonte. Ici, pareil, si on se pose par ici, on peut voir la veine bouger ou pas. Donc attention à vous. Salut Dumi. Au revoir Dumi. Ouais, on peut se cacher aussi si c'est pas forcément visible du premier coup d'œil. Ça peut être sympa. Allez, donc du coup on se trouve en bas à droite du Y. Et cette vente elle monte jusqu'en haut à admin, au-dessus de l'hôte, Domi. Voilà, où il y a la table d'admin, on peut voir la position de tout le monde. Toujours sympa à regarder, très utile. Donc cette vente elle monte jusqu'à Greenhouse. Greenhouse! La vente est bien cachée quoi, elle est derrière le petit arbre, donc c'est pareil, petit coin assez tranquillou. Donc admin ça va à greenhouse ainsi que à office. Office c'est là où il y a O2. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc voilà le petit triangle avec ses trois ventes. Voilà, greenhouse, office, admin, les trois sont liés. Donc voilà, c'est ici que l'on arrête le O2, l'alerte O2. Donc depuis, voilà, depuis Office, on voit donc Admin, Greenhouse, et on descend jusqu'à Laboratory. Voilà, Laboratory carrément dans l'angle tout à droite. Donc c'est pas forcément au visu de tout le monde. Faut vraiment être en haut ou dans la pièce pour voir. Là, il n'y a pas de... On ne voit pas, donc celle-là elle mène jusqu'à décontamination ainsi qu'à réacteur. Réacteur, voilà, c'est là où on peut désactiver l'alerte réacteur avec les mains. Faut être deux pour rappel, hein. Tout comme la première map. Hein. Et donc cette vent elle descend à décompta et elle va aussi à Launchpad, la zone de départ. Alors Launchpad, souvent pour faire des kills ici, soit tu le fais très très tôt, mais bon, c'est grillé souvent. Ou alors c'est au retour de la quête de la tortue, hein. La fameuse caisse de la tortue. Donc Launchpad, on arrive en dehors de Décompta. Voilà, le petit sas de Décompta avec la petite veine derrière la porte. Alors on peut, attention, on peut se faire griller aussi derrière la porte, hein. Donc cette vente elle va à Décompta, elle va aussi à Medbay et au Launchpad qu'on a vu tout à l'heure. Et celle de Décompta donc elle va à Reactor, elle va à Labo et elle va à Locker Room donc ici. Donc toutes les ventes sont liées. Hein. On peut faire le tour de la map en écran vent. Voilà Medbay, donc Medbay ça va de Balcony et jusque devant le Décompta. Voilà, fait tout le tour. C'est rapide, hein. Regardez, hop, 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 voilà, clac, clac. On peut faire le tour facilement en vent. On peut passer sa vie à vent. Petit tour de la map. Donc au niveau
des alertes. Il y a donc comme sabotage. Voilà, comme sabotage, ça se trouve ici. Pour le désactiver, il faut taper deux codes. Alors, les deux codes, je vais vous montrer ça. Merde, raté. Hop, voilà, donc le premier code, il se fait ici, donc à communication. Donc si le code, on ne le fait pas avant la fin, hop, il change. Et en fait, tout seul, on n'a pas le temps de faire le code et d'aller taper en haut. Il faut être plusieurs. Allez, ensuite, ELEC, les lights d'ELEC. Donc voilà, comme dans la première map, hein, même système, c'est ici qu'on les rétablit. Voilà, le crewmate voit plus grand chose, à part ses pieds. Et on peut faire quelques petits kills sympas. Donc sur Greenhouse, il y a O2. Voilà, un petit O2, une petite alerte O2. On a 43, 45 secondes, je crois. Et donc, on a le code à taper. Pareil comme dans Scald. Même système de code. Là, les quêtes sont quasi pareilles, à part comme où il faut être à deux endroits différents pour les rétablir. Ah ouais, il y en a un qui a été réactivé, deuxième qui est réactivé. Donc, tout seul, on peut le faire. Mais ouais, c'est chaud, quoi. Ensuite, donc la dernière alerte de sabotage, il s'agit de un réacteur, tout comme dans Scald, pareil, on va attendre, et clac, et voilà, réacteur, ça sonne, 45 secondes pour venir, on met une main d'un côté, une main de l'autre, voilà, on pose la main. Félicitations GG, vous êtes trop fort. Alors, donc, à com, il y a le Durlog. Qu'est-ce que le Durlog? Le Durlog, on voit plusieurs écrits d'eau passer. Chaque personne va faire une petite alerte quand il passe, en fait, sur, hop, cette petite zone. Vous avez vu, c'est passé au vert. Ça clignote au vert, donc dès qu'il y a une personne qui passe, voilà, tout en bas, l'EB est passé au southwest, donc... sud-ouest, donc en bas à gauche, voilà, le passage en bas à gauche, hop, je suis encore repassé, donc il y aura une troisième position, et voilà, la troisième position, l'EB est passé au south-west, pardon. Et donc, vraiment faire attention pour les vents, souvent c'est là qu'on se fait griller, c'est que, voilà, les mecs vents et ressortent ailleurs, et si quelqu'un qui regarde au niveau des coms, au Durlog, voilà, il se fait griller parce qu'il est passé au retour mais pas à l'aller ou inversement proportionnel. Et pareil, hop, ça c'est le nord, et ça c'est le south-est. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu, mais quand on passe une fois, deux fois, assez rapidement, ça ne fait qu'un seul clic. Alors regardez, le nord j'ai fait une seule fois rapidement, aller-retour, et ça a fait qu'un seul clic. Ça peut être utile pour les petites ventes. Alors, oui. Oui, le scan c'est de la task comme à Scald où on peut voir les gens en fait interagir, faire leur task. Et Meteor aussi pareil. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cela vous a été utile ou cela vous sera utile pour plus tard. Si vous aimez ce genre de vidéo, pareil, hein, on met le pouce, on s'abonne, on fait tout ça, on va cliquer sur les liens, on vient sur le Discord et on va jouer avec nous. Sur ce, la prochaine vidéo, ce sera donc les tasks de Mira en position crewmate. Voilà. Et ensuite, on fera la troisième map qu'il y aura. Ciao, à plus.